Hello, ici on se retrouve pour une petite course à pied de 6-7 km. Je vais en profiter également pour tester cette nouvelle caméra dont j'ai fait l'acquisition. Donc on peut voir ici, je vais vous montrer un peu le trajet. Donc dans les alentours de Benezet, on va passer par Chesnay et puis parcourir tout le domaine du Rail Poney. Vous pouvez voir ici, donc on a une distance de 6,67 km pour un total de plus ou moins un peu moins d'une heure. Ici, on va voir un peu le trajet que ça va prendre. Alors, endroit assez méconnu. Ici, on se trouve au niveau de la rue Gaillard-Mont, à plus ou moins 50-100 mètres de l'hôpital des Bruyères. En fait, c'est un sentier qui ne se voit. Une grande plaine, comme vous pouvez voir, qui est cachée quand même au niveau de la route. Et c'est un endroit qui peut être emprunté, qui est vraiment très très joli. Que ce soit aussi en VTT ou en balade. Ici, regardez, on peut voir que sur la même plaine, en fait, il y a accès ici au niveau des urgences, des Bruyères. Donc ici, super bel endroit avec une belle vue au loin, côté campagne, côté usine. Alors ici on peut voir toujours dans cette même plaine, réalisant plus ou moins encore 200-300 mètres, on arrive à une deuxième plaine un peu en contrebas. Et regardez-moi cette splendide vue. Bon, ça permettra aussi de tester ce micro déjà, cette chaîne caméra, et aussi la stabilité, bon, qui n'est pas identique à celle d'une GoPro. Si on va la faire au prix auquel elle a été achetée. Donc ici on se dirige, si je regarde bien, nous sommes à Chesnay et on redescend Chesnay. On peut voir que tout n'est pas forcément très beau, hein, le trajet. On va voir ici à l'entrée du parc à conteneurs, quitte à être à 10 mètres de l'endroit, pourquoi pas tout taper devant. Dommage. Donc ici on se dirige vers le Ravel de la ligne 38 à hauteur de Chesnay. Voici ici sur le Ravel de la ligne 38 à hauteur de Chesnay. On peut se situer après le passage de la rue Gaillard. Comme vous pouvez le voir, je ne cours pas sur le côté béton, mais plutôt le côté terre, pierre. Là, peut-être que c'est déjà meilleur pour les articulations, c'est avec les chocs. En plus le trail, je prends plus de plaisir à courir sur le chemin un peu cassant. On peut voir ici au loin, je pense que c'est la basilique de Vaux-sous-Chèvremont. Vraiment un endroit hyper calme au milieu de la ville.
Bienvenue au Rail Poney. Ce grand parc. Voici ici. Au niveau du Rail Poney. Toutes ces étendues. On peut voir. Je ne sais pas si ça se voit bien. Au loin, on voit le CHU des Bruyères, ici tout droit. Derrière nous, on peut voir aussi la Tour des Finances, le Mémorium de Quat, même si c'est sûrement probablement un peu flou. Et lorsqu'on tourne de l'autre côté, on peut voir cette basilique que vous touchez vraiment. Elle est hauteur. Vraiment un endroit super calme. Alors, il y a quelques habitations, donc quelques véhicules de temps en temps. Ça va être vraiment un endroit super calme et agréable. Voir ici, superbe vue de Liège. Comme je disais, ça monte et ça monte. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà, on peut apercevoir la beauté. Splendide vue du Rail Poney. On se croirait vraiment à la campagne. Pas un seul bruit de voiture, pas d'avion non plus. Tout ça, quelques centaines de mètres des habitations. Pareil, on prend aussi la rue Saint-Anne. Je vais faire un peu de recherche par rapport à Saint-Anne. Et voici sa chapelle. Je vais vous montrer. Voir également contrebas l'usine de Magoto à vos touches vraiment la ligne de chemin de fer. À savoir que cet endroit est en étude
pour le rachat d'une passerelle, pour y faire des habitations. Bien évidemment, avec un si bel endroit, on ne peut que le préserver. Bien sûr, il y a des oppositions à ce rachat pour y faire des dizaines de logements. Bien tristement, malheureusement, tous les espaces verts qui peuvent rester, si vous regardez bien, sont rachetés pour construire des logements. Probablement que ce serait nécessaire au nombre d'habitants, mais visuellement. Se calme, on monte mais toujours très légèrement. Ça va être bizarre. Le soleil est très fort. C'est pas tout jeu. C'est bien la grande roue d'ici tout doucement. Sur le Ravel. Comme une 38 à hauteur de Benezet. Ici aussi, un calme, alors que on se retrouve en droit et on longe parallèlement la grande route, le chemin 3. Et malgré cette petite baisse fréquentée, on va quand même un peu quasi particulièrement. On peut apercevoir ici au loin la ferme du Raiponnet, donc l'endroit en fait où on est. On se trouve ici sur la Ravel. Ravel, et on voit cette fameuse ferme de Sainte-Anne. Et ben voilà, de retour à la maison. Les prédictions étaient bonnes. Ils prévoyaient 50 minutes. De course. Effectivement, ici on peut voir 51 minutes avec les 100 derniers mètres à pied en marchant. On fait redescendre les pulsations. Car j'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez pu découvrir ou redécouvrir des endroits. On peut voir qu'ici, en tout cas sur les régions de Benezet alentour, il y a vraiment de superbes endroits, des endroits hyper calmes pour y faire diverses activités. À la prochaine.